Hello tout le monde, que vous allez bien. Moi ça va pas du tout, je m'apprête à faire une bêtise, mais une grosse bêtise. Bref, je vous explique le concept. Là en fait, je vais essayer, je dis bien essayer de faire un prank. En vrai, même si le prank il est raté, je pense que je vais quand même le poster. C'est mon but. Disons que je vais faire croire à Seb qu'en gros il y a quelqu'un qui est venu ici. Je sais pas si vous avez vu la trend de TikTok et tout, en mode t'envoies un message à ton mec et genre tu dis oui, vas-y tu peux venir et tout, il est parti. Moi je vais grave faire ça, sachant que là il est 20h, je crois qu'il a fini le... Enfin, il a bientôt fini le taf. Dans quoi je m'embarque? Bref, avant de commencer, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde. Je vous like, je vous lis, je me sacrifie pour qu'on rigole un peu. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de prank et je sais que vous en voulez parce qu'à chaque fois vous demandez. On est souvent en live le soir et si jamais vous suivez nos lives, vous savez, j'avais dit dans un de mes lives, enfin dans le dernier live qu'on a fait, que du coup, Bixé à chaque fois qu'il rentrait à la maison et qu'il voyait que l'appartement était bien rangé, bien truc, à chaque fois il me demandait ouais t'as fait venir quelqu'un, t'as fait venir quelqu'un. Donc comme ça, ça s'est passé hier, on est encore dans le truc, donc je vais lui faire croire que je vais ramener quelqu'un ici et on verra sa réaction quand il va arriver. Je pose la caméra et je vais écrire le premier message avec vous. Oh mon dieu, oh, j'aime pas faire des trucs comme ça. Bon, c'est bon, il est pas encore rentré. Hop, voilà. Regardez, je suis morte. Je quitte. Vous êtes témoin. Il a répondu direct. Mais en fait, ça me saoule parce qu'il a répondu trop vite et du coup, je suis dans... Il m'a renvoyé. Tu joues à quoi? Putain, mais on voit rien. Bref, il m'a renvoyé. Tu joues à quoi? Neymar. Soit il a cramé. Soit il est vraiment vraiment énervé, soit il va m'appeler. En fait je sais pas si je dois... Non, je peux pas lui re-envoyer un truc parce que là logiquement il est censé avoir le doute qu'il y a quelqu'un ici. Donc je peux pas lui renvoyer un message en mode pourquoi tu réponds pas ou un truc comme ça. Là justement il faut plus que je lui réponde. Je réponds plus à aucun appel et je réponds plus à aucun message. Comme ça là ça va vraiment, il va vraiment péter un câble et ça va vraiment lui semer encore plus le doute parce que c'est sûr et certain que quand il va bientôt arriver en bas de la maison, c'est sûr qu'il va m'envoyer un message, il va me dire ouais j'arrive patati, réponds moi un truc. Bref, donc dans tous les cas je suis une meurtre à ce moment là faut que je mette en marche la deuxième caméra que je vais devoir planquer pour la mettre à l'entrée pour que vous voyez, pour que vous le voyez arriver à la porte et tout. Donc, il faut absolument que j'essaye de la placer dans une des paires de chaussures, on va dire comme ça, du fait que quand il rentre, en fait, on le voit rentrer. Je vais la mettre dans une botte comme ça. Parce qu'en fait, il faut vraiment pas que ça soit cramé. Je vais essayer, mais je sais même pas, je pense même pas que ça va rentrer parce que la caméra elle est quand même assez grosse. Voilà, maintenant c'est en train de filmer, comme ça on va faire un test et on va voir comment on fait, si ça fait bien ou pas. Que je rentre, hop. Ok, déjà il va falloir que je mette d'autres chaussures pour cacher. Je vous montre le test. Ok, c'est carré. C'est carré, on verra sa tête, c'est bon. Maintenant, il faut juste que je trouve un moyen de pas qu'il voit la caméra, sinon c'est mort. Bon, du coup, j'essaie de cacher comme ça. De toute façon, je ferai comme ça. Comme ça, il n'y aura vraiment que l'objectif. Et il faut savoir que là, dans le couloir, en fait, de l'entrée de mon appartement, il n'y a pas de lumière. Ça fait que quand il va rentrer, normalement, il n'y aura pas de lumière. Parce que là, c'est la lumière des toilettes. Mais là, tout sera fermé. Et là, j'ai fermé aussi la lumière du salon. Comme ça, ça fera crédible. Et en fait, quand il va ouvrir, il aura peu de chance de voir l'objectif. Normalement, si tout se passe bien. Okay. Là, on va essayer de remplir les bras avec des trucs. Je sais pas. Et je vais mettre n'importe quoi. Tiens, hop. Là, on a une serviette. Ça va mettre la serviette. Grave crédible. Genre, sinon, ça l'est pas. Putain.
Ok, bon là déjà ça ressemble à quelque chose. Donc voilà, je vous présente mon amoureux de ce soir avec qui je suis censée m'envoyer. Non, je rigole. Mais en vrai. Tina, chérie, femme, voyez. Est-ce que genre je mettrais pas genre une lingerie, genre vraiment pour pousser le truc? Mais ah, je sais pas, hein. Je crois que ça va faire trop si je me mets dans les bails de. Le but c'est que quand tu me trouves en fait, c'est que en même temps je me baisse un peu pour regarder s'il arrive pas par la fenêtre. Mais de base c'est que en mode. Ouh! Oh my god! De base c'est que je sois. Comme ça. Genre comme ça. Eh, c'est trop gênant. Mais vous avez capté, c'est le but du prank. Bon. Bon, ça, tout est installé. Je vais camper à la fenêtre. Dès que je le vois arriver, j'allume la caméra d'entrée. J'allume ça et je cours me foutre sur le mannequin. Oh my god. Prie pour que ça marche. Il va arriver. J'ai. Wesh, 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 wesh. Wesh. Je te présente mon bébé, mon nouveau mec. Je vais le boxer, le mannequin. Mon mannequin! Tu sais que wesh, tu fous là, nom de Dieu, wesh. Pourquoi? En plus, t'étais en big missionnaire, wesh. Tu sais que là, j'ai encore un peu le corazon qui palpite là. Je me suis dit, putain, je me suis fait niquer. En mode, moi, j'étais confiant et tout, j'étais sûr de mon karaté, je me suis fait niquer. Tu t'y attendais? Non, au nom de Dieu, j'ai le démon. Parce que moi, au nom de Dieu, j'arrive pas à te pranker. Et toi, tu me prankes avec des trucs de con, un mannequin. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve. J'ai envie de te niquer en fait. Mais je dois rester tranquille parce qu'il y a YouTube. YouTube bien ou quoi? Mais non, en vrai, j'ai la haine. Franchement, c'était très marrant. J'espère que vous avez aimé. Je pense que je posterai ce prank aussi sur TikTok. Comme ça, au moins, une autre partie de la communauté pourront voir qu'est-ce que ça a donné. Mais en tout cas, je suis trop. Trop contente d'avoir réussi. Est-ce que tu avais vu qu'il y avait une caméra à l'entrée? Ah ouais? Ouais. Non, j'ai pas vu. Ah, bah elle était archi bien cachée. Je l'ai cachée dans une chaussure et autour j'ai mis plein de chaussures. En fait, on voyait juste. Ouais, dans tous les cas, je pense, dans ces situations, peu importe où tu mets la caméra, ton seul truc c'est en mode wesh. En gros, là, il se passe une dinguerie chez moi, là. Faut que j'abatte l'ennemi. Donc, t'as pas le temps de capter caméra, je sais pas quoi, t'es en mode wesh. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très très bonne soirée. J'espère que du coup vous avez aimé votre soirée avec ce prank. Les filles, n'hésitez pas à faire ce prank là à vos mecs parce que je vous jure, c'est trop marrant. En vrai, dommage, c'est pas réel. Comme ça, je t'aurais quitté. Sur ce, c'était Miss CJ. C'était Bixé le pranké. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Thanks.